Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de faire tous vos défis en mode labo de combat. Alors pour réaliser tous vos défis en mode labo de combat, je vais vous expliquer comment vous allez devoir faire. Mais vous allez pouvoir aussi gagner des XP en illimité, je pense que ça fonctionne aussi. En tous les cas, les XP des défis vont être comptabilisés. Mais je pense que peut-être que les coffres et tout ça que vous allez ouvrir ou peut-être les kills que vous allez faire ne seront pas comptabilisés. De toute façon, on va vérifier ça tout de suite maintenant. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Jogger, je mettrai sa chaîne en description car c'est lui qui a trouvé le glitch. Alors, pour réaliser le glitch, vous allez devoir lancer labo de combat. Comme ceci, ensuite vous appuyez sur triangle. Quand vous allez être redirigé vers, vers le choix du labo, vous allez choisir créer un labo de combat, mais vous allez appuyer sur option de la partie. Donc vous appuyez sur option. Ensuite, là vous allez devoir mettre uniquement hors massif. Voilà, vous mettez butin hors massif. Ensuite vous acceptez et vous lancez la game. Et là, normalement, quand je vais être dans la game, je vais pouvoir réaliser tous mes défis et ça validera pour mon pass de combat, pour mes niveaux, etc. Donc en plus de ça, je vais pouvoir débloquer des étoiles. De pass de combat en illimité très facilement et très rapidement. Attendez, donc là, ce que je vais faire, c'est fouiller des boîtes de munitions. Ok, donc je suis à 2 sur 5. Donc on va aller fouiller des boîtes de munitions, voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc je suppose que les boîtes de munitions, il y en a un petit peu partout ici. On va les fouiller. Ok, donc j'ai choisi un mauvais emplacement parce que dans les hangars, il n'y a pas l'air d'avoir de boîtes de munitions. Ah, si, là, il y en a une. Hop, donc je vais la fouiller. Bam, voilà, fouiller des boîtes de munitions, 4 sur 5. Maintenant, je vais quand même continuer le défi, hein. Je vais essayer de le terminer. Je vais essayer de regarder si... quand j'ouvre un coffre, je gagne de l'XP. On va voir ça tout de suite, de toute façon. Alors, hein, une petite boîte de munitions. Il n'y en a pas par ici. Ah, là, il y a un coffre. On va essayer de l'ouvrir. Du matos. Hop. Voilà. On va l'ouvrir. Sans le casser. Voyons voir si ça me donne des XP. Ça ne me donne pas d'XP. Donc déjà, on ne gagne pas des XP en illimité avec les coffres. C'est déjà une bonne chose à savoir. Donc, je pense que vous ne pourrez gagner que des XP uniquement avec les défis, donc quand vous aurez des défis. Bien entendu, c'est un glitch. Donc, à mon avis, ils ont mal programmé leur nouvelle saison 7. Ça a été mal programmé. Donc, ils n'ont pas pensé à ce petit détail. Mais voilà, ça fonctionne. Hop, regardez, là, j'ai gagné 17 000 XP et j'ai terminé mon défi. Donc là, je vais parler à Joey. Est-ce que je le débloque dans mon inventaire? Oui, je peux même débloquer tous les personnages dans le labo de combat. En mode hors massif, uniquement en mode hors massif, hein. Donc je peux trouver tous les personnages, parler à tous les personnages pour compléter ma collection. Donc ça c'est cool. On va voir pour un deuxième défi, détruire de la pierre. Ok, détruire de la pierre. On va voir si ça valide. Hop, on va détruire cette pierre là. Normalement ça devrait valider. Voilà, détruire de la pierre 2 sur 5. Donc je vais en détruire 5. Je ne sais pas si les murs... les murs ne sont pas compris comme de la pierre, hein, je ne pense pas. On va quand même tester. Non, ça ne compte pas. Il faudrait que je trouve deux autres pierres. Qu'on va chercher un peu plus loin. Et donc ici, il y a plusieurs pierres. Normalement, je pourrais terminer le défi. Hop. Ce qu'on va faire. Voilà. 4 sur 5. Cinquième pierre. On la casse. Boum. Cinquième pierre terminée. Voyons voir si je peux faire un autre défi. Obtenir, ramasser différents types d'armes. Ouais. Améliorer un fusil à pompe à un établi. Le problème, c'est que j'ai pas assez de lingots d'or pour le faire. Je vais quand même regarder combien ça me coûte d'or. Je pense que j'ai pas assez, mais on va quand même vérifier. Ok, donc là j'ai un snipe et regardez, ramasser différents types d'armes obtenus. Donc terminé. Donc là, je vais juste voir si j'ai assez de lingots d'or pour améliorer. Et après, bah, je mettrai fin à la partie et on verra si ça a bien tout validé. Donc là, je cherche l'établi. Ça ne doit pas être loin. En fait, je viens de remarquer que, regardez,
des lingots en labo de combat, vous en avez zéro, donc ça ne fonctionnera pas. Je vais quand même essayer, mais je ne trouve pas l'établi d'ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à un autre endroit où je connais l'emplacement de l'établi, parce que ici, je le trouve pas, je sais pas pourquoi. On va aller voir un autre endroit. Donc déjà, on va regarder si je peux acheter des trucs dans les... Acheter quoi? Je peux pas acheter? Rien à acheter? Ok. Donc là, il y a un établi. Est-ce que je peux l'utiliser? Équipez-vous d'une arme. Ok, hop. Je ne peux pas l'utiliser. Donc en labo de combat, on ne peut pas utiliser les établis ni les distributeurs. En tous les cas, on va vérifier si ça a bien fonctionné pour les autres défis. Mais normalement, oui. Donc on va quitter. Normalement, je vais prendre un niveau de palier. Je vais gagner également 5 étoiles. Et je vais gagner des XP, logiquement, parce que ça va faire monter mon palier. Donc, regardez, j'ai bien 20 étoiles. Je suis niveau 5. Mes défis ont été validés. Donc voilà, c'est parfait. Et je pense que... Ouais, je pense que j'étais niveau... De toute façon, on peut le voir. Hein, quand vous regardez au début de la vidéo, on peut voir à combien de niveaux j'étais, à combien d'étoiles j'étais. Peut-être que j'ai pas monté de niveau, mais j'ai gagné des XP. Mais je pense que je suis quand même monté d'un niveau. Je me souviens pas d'être niveau 4. Je pense que je suis monté d'un niveau et j'ai gagné des XP. En tous les cas, les défis ont bien été validés. Je vais juste regarder pour être sûr, hein, parce que ça me perturbe, je veux être sûr. Donc je vais regarder les défis. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Réussir des éliminations en pompe, survivre à la tempête, améliorer un fusil. Regardez, je vais faire ce défi qui est de fouiller des coffres à Steamstack ou à Craggy Cliff. Donc là, obligé, il manque 8000 XP, donc je vais obligé augmenter. Donc je vais lancer un labo de combat. Logiquement, ça aura gardé mes paramètres. Donc voilà, hors massif, ça les a gardés. Je relance la game. Je vais aller à Craggy Cliff. Je vais fouiller des coffres. Et ensuite, ben, normalement, je vais en fouiller 7. Et normalement, j'aurai terminé le défi. Alors, il faut savoir que les glitches comme ça sur Fortnite, ça dure très très peu de temps. Parce que Fortnite est assez au taquet, question glitch. Il laisse rien passer. Genre, dans une heure ou deux, ça se tombe, c'est patché, quoi. Donc, pressez-vous. Si vous voulez profiter du glitch, dépêchez-vous parce que sinon, vous ne pourrez pas en profiter. Donc là, j'ai fouillé un coffre à Steamstack, dans un Craggy Cliff. On va en fouiller 7. Ok, donc il m'en reste un à ouvrir pour terminer le défi. Donc hop, je l'ouvre. Voilà, 30 000 XP. Là, je quitte la game. Et logiquement, je serai niveau 6. Et j'aurai débloqué 5 étoiles supplémentaires. Donc on va voir. Comme ça, on sera sûr et certain que ça fonctionne. Voilà, j'ai débloqué 5 étoiles supplémentaires et je suis niveau 6. Donc l'XP compte, les défis comptent et les étoiles comptent. Donc c'est parfait. Si vous voulez profiter de ce glitch, n'hésitez pas à le faire très rapidement. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était So Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.